Bonjour tout le monde. Nous sommes le samedi 29 mai 2021. Je suis au dépôt, je travaille aujourd'hui. Et je voulais vous dire qu'il ne me reste plus que 3 jours de travail la semaine prochaine. Après, je serai donc en vacances et en retraite à partir du 1er juillet. J'ai encore 2 vidéos à vous envoyer. J'ai rendez-vous avec des collègues le 5, samedi 5, et le dimanche 6 juin pour faire d'autres lignes encore. Bon, la fréquence des vidéos va peut-être ralentir un petit peu, vous inquiétez pas, hein, il y en aura d'autres. Je sais pas encore quand je vais déménager. Donc tant que j'aurai pas déménagé, je continuerai à rejoindre des collègues pour aller faire des vidéos. Et puis une fois que j'aurai déménagé, je pourrai plus. Parce que je ferai pas 350 km aller-retour juste pour faire une vidéo, malheureusement. Voilà, donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé quel sera mon dernier jour de travail. Donc mon dernier jour de travail, c'est le 3 juin. Je serai sur le 104. Je commence à midi à l'église de Créteil et je finis à 19h au dépôt. Malheureusement, on a la demi-porte fermée. On a le portillon machiniste qui est ouvert. Et on a le plexiglas. Donc bon, je ne sais pas si je ferai une vidéo parce que... Avec le plexiglas, on voit rien, on peut pas. Donc voilà, je sais pas vraiment. Je vais voir. Je vais réfléchir à la question. Si je fais une vidéo de l'itinéraire, ça sert à rien. Je l'ai déjà fait 100 fois. Il aurait fallu que je puisse faire une vidéo en orientant la caméra vers l'intérieur du bus, mais justement à cause du plexiglas, on voit rien. Bon, c'est pas terrible. En tout cas, voilà, donc je serai donc jeudi 3 juin à midi à l'église de Créteil et je finirai à 19h au dépôt. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas, bon, la fréquence des vidéos va baisser hein, certainement. Je vais essayer d'en faire d'autres, hein, en maximum avant de déménager. Voilà, donc aujourd'hui je commence à 13h30 au dépôt et je finis à 20h30, un truc comme ça. Voilà, bonne journée à tous!